Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film de cinéma, un grand film de cinéma avec un grand C, Le Chapeauté de La Dernière Quête, film d'animation forcément de Januel Mercado et Joël Crawford. Vous connaissez peut-être Le Chapeauté, vous l'avez vu en tout cas, c'était un petit bail quand même, dans Shrek 2. Oui, mais il y a eu le premier Chapeauté avec Antonio Banderas qui fait la voix. C'était après Shrek 2. Oui, mais il date de quand, ça dit. Mais il a apparu la première fois dans Shrek 2. Mais chef-d'œuvre. Ça fait longtemps. Le Chapeauté, le film du Chapeauté, c'était pas hier, quoi. Non, c'était, je sais pas, genre 2006, 2008. Ouais, c'est ça. Donc on est au moins 10 ans. Je l'avais jamais vu. Je l'ai rattrapé la veille de la projet presse du Chapeauté 2. Donc ça date, quoi. Ils sont décidés de revenir avec cette licence. Mais oui, ça date. Voilà, laissez de côté. Alors, de quoi ça parle, Le Chapeauté 2, La Dernière Quête? En fait, ça parle simplement du Chapeauté qui découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher. Il a épuisé 8 de ses 9 vies et il a un peu perdu le compte au huit passage. 8 ou 8 8. 8. Oui. 8. De ses 9 vies. Afin de retomber sur ses pattes, notre héros velu, n'est-ce pas, s'embarque dans une aventure épique aux confins de la forêt sombre afin de dénicher la mythique étoile à vœux. C'est la seule chose qui va lui permettre de récupérer ses vies. On comprend bien le principe, je propose qu'on se regarde tout de suite un extrait de la branche. Je suis le Chapeauté, non d'un flageolet. Hé, hey, les géants! Vous voulez voir un truc cool? Gracias, la légende ne meurt jamais! Chapeauté, tu es mort. J'ai 9 vies. Bon, et tu es mort combien de fois déjà? Non, Poté n'a pas besoin d'empereur. Regardez. Regardez. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Regardez. Tu es rendu à ta dernière vie. Mama Luna est toujours à la recherche d'un nouveau minet. Je ne suis pas un minet. Je suis le chat Poté. Ça, c'était avant. Voilà, on va s'arrêter là. On a compris le principe, ça devient Garfield. Hein, ils ont encore rien expliqué. Hein. Ils ont encore rien du temps, cette bande-annonce. Mais bon, on a compris le délire, c'est ce que j'ai expliqué avant de mettre la bande-annonce. Oui. Notre chat a un gros problème, il doit retrouver ses vies parce qu'on sait bien que le Chapeauté, il aime bien le risque et le danger. Et là, forcément, si tu sais que c'est la fin, enfin, en tout cas, que tu peux plus faire le foufou, ça devient difficile. Donc, on va pas aller dans les détails du film, mais qu'est-ce que t'en as pensé, tout à fait, Jean-Pierre. Thibaut, du coup, de ce film, puisque t'as rattrapé le premier avant, donc. T'es au courant maintenant, t'es au fait. Oui, bah après, pour moi, le Chapeauté, ça se résumait à son magnifique rôle dans Shrek 2. Hein, tout à fait. Le premier, c'était pas. En vrai, le premier film Chapeauté, c'est pas un grand film culte. Tu vois, on en fait pas des tonnes comme on en fait avec le Shrek, quoi. Aujourd'hui, ce serait peut-être allez, un direct ou DVD. Tu vois ce que je veux dire ? C'était pas. Ouais. Oui. Oui, oui. Un petit produit dérivé, Disney Plus. Si comme, comme tous les films 2 chez Disney, tu vois. À l'époque, Le Roi Lion 2, voilà. Le Livre de la Jungle 2, tous ces trucs-là qui sont jamais sortis. Enfin, que t'as vu juste directement en VHS. Ce serait un peu pareil. 2, mais donc voilà, le Chapeauté, ça représente quand même pas grand chose, à part dans Shrek 2. Mais c'est un personnage adoré. Enfin, les gens l'aiment bien. Antonio Banderas a bien fait le job. La version française est sympa aussi. Donc, oui. C'est un chouette personnage. Oui, oui, c'est un chouette personnage que le public aime bien. Donc, pourquoi pas faire une suite, ma foi. mais non, bah, le mais. Alors, le truc, c'est que voilà, le Chapeauté premier du nom, ça date un peu. Oui, bah, c'est ça. Et donc, il fallait un peu mettre un coup de neuf, hein, un petit coup de peinture sur le produit. Mais j'allais le dire, parce que j'ai l'impression, en regardant la bande-annonce, qu'ils ont un peu mélangé différents styles, c'était un peu particulier. Exactement, ça c'est la première chose qui est assez marquante dans le film, pardon, c'est le mélange des styles d'animation qu'il y a dans le film. On a beaucoup d'animation 2D pour tout ce qui est background et tous ces trucs-là, pour pas trop se casser le cul non plus, hein, c'est quand même un peu moins de travail. Le Chapeauté, lui, est évidemment en 3D à l'américaine, classique, comme on a l'habitude de voir depuis 20 ans. Mais il y a aussi... déjà, on a ce mélange 2D-3D qui est assez sympa. Et en plus, on a un petit côté d'animation japonaise, à la japonaise, qui n'est pas dégueulasse, notamment niveau des grands yeux globuleux qui brillent. Tu vois, ce côté un peu très manga, animé. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire.
qu'on n'a pas trop vu de là dans les passages qu'on vient de voir de la bande-annonce, mais voilà, qu'il y a un peu ça dans le film aussi. Et ce mélange des styles est un peu perturbant au début. Il m'a fallu un petit peu de temps pour m'y faire. Plusieurs de mes confrères ne s'y sont pas faits d'ailleurs. Mais personnellement, pour moi, ça a quand même bien marché et j'ai bien aimé ce mélange des styles qui fonctionne bien. Sinon, au niveau de l'aventure, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, voilà, le chapeauté va partir à la recherche de cette étoile à vœux, mais évidemment, il n'est pas le seul à la chercher. Il y a notamment Boucle d'Or et sa famille Ours qui cherchent ça aussi. D'accord. Puis il y a un grand méchant dont j'ai déjà oublié le nom et qui, je pense, ne va pas parler à beaucoup de monde ici en Europe, parce que avec les personnes avec qui j'ai parlé après le film, personne ne connaissait ce type, alors que le film se base sur à plein de références, de contes, etc., qu'on connaît tous, tu vois. D'accord. Mais alors, celui-là, vraiment... Un peu comme dans Shrek, du coup, là, il continue cette ligne. Il y a un petit peu de ça, mais tu vois, c'est plus... on ne cite pas plein de choses, hein, mais par exemple, à un moment, tu vas voir des objets qui vont faire référence à tel conte, tu vas voir une pantoufle de verre qui fait référence à Cendrillon, enfin machin. Mm-hmm. Il y a plein de choses comme ça. Et ça fonctionne assez bien. Et donc voilà, tu as trois personnes différentes qui sont à la recherche du même objet. Oui. Et en plus, le chapeauté est poursuivi par quelqu'un qui veut le tuer, hein, qui sait que c'est sa dernière vie et qui est donc... Mon coco, t'as assez donné, on a été assez gentil avec toi, maintenant il va être temps que t'y passes. Donc beaucoup de pression. Et cette histoire, grande aventure, avec des décors différents, parce qu'en plus, pour accéder à cette étoile à vœux, il faut une carte très particulière, très précise, qui s'adapte en fonction de la personne qui tient la carte. D'accord. Donc... Voilà, un petit côté Harry Potter aussi. Un petit côté, tout le monde ne va pas avoir la même chose. Donc le chapeauté, il va être aidé de deux personnages, dont un petit chien très sympathique et un autre chat qu'on a déjà vu dans le précédent film Chapeauté. Patte de velours, là. Donc voilà, non, aventure assez sympathique, assez classique, qui allie bien voilà, la modernité et le classicisme des contes, etc. Donc ça, c'est assez chouette. Et les personnages sont très attachants. Ouais, ça se suit. C'est pas dingo ce que j'ai cru comprendre, mais clairement, le fait que les personnages soient attachants, le fait qu'il y ait des petites références à gauche, à droite qui plaisent, même si parfois il y a des références plus américaines, où là, on est un peu perdu, nous, les Européens. Mais dans l'ensemble, on a quelque chose de assez sympathique. Surtout quand le mélange d'animation, c'est quand même pas tous les jours qu'on a ça dans les films. Non. Au final, ça donne quelque chose de somme toute assez correct. Et je pense que le truc le plus dégueulasse du film, c'est le nouveau générique de DreamWorks. Quand ils ont fait un truc à la Marvel ou quoi avec... Exactement. C'est presque ça. Ils font tout ça. C'est presque ça. Où tu vois les personnages, les figures emblématiques, les licences. Oui, effectivement, emblématiques de DreamWorks. Et donc, tu vois le petit Kung Fu Panda, Shrek, machin et tout. Et puis t'as le nouveau logo de DreamWorks en 3D qui est dégueulasse. Et puis Ice Age. Et puis ça donne le logo. Non, Ice Age, c'est pas DreamWorks. C'est Blue Sky. Et puis t'as le logo traditionnel qu'on connaît bien de DreamWorks. Mais oh là là, ce nouveau générique, c'est dégueulasse. Hein. Écoute. Voilà. Il faut rappeler un peu les marques fortes de chez DreamWorks à chaque début de bah film. Bah ouais, tu vois Dragon. Mais ça fait un moment, les licences. C'est Dragon le dernier truc qui a cartonné chez DreamWorks. C'est vrai. Pour le reste, ça commence à faire un moment là. On verra pour le chapeauté. Je suppose qu'ils espèrent quand même un gros succès du chapeauté 2. On verra bien. Les Américains sont déjà en train de se toucher la nouille sur le chapeauté 2, c'est incroyable et tout. Oh, calmos, les cocos. C'est sympathique, on passe un bon moment, mais ça révolutionne pas grand chose non plus. C'est parce qu'il y a un peu d'animation asiatique du coup pour eux, c'est tout nouveau. Franchement, ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, qu'est-ce que tu donnes comme note pour le chapeauté 2 ? Sympathique, 2 étoiles. C'est 2 étoiles bon pour ce film qui sort au cinéma le 7 décembre en Belgique et en France. Courez, allez-y, faites-vous plaisir en famille. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous avez pensé du film en commentaire et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.